Bienvenue sur le channel d'Adia Iglesias. Là, je dis à nous venir avec une nouvelle vidéo pour nous parler de qui ça qui vivait dans le conseil carimien à propos de Mikaven, bel artiste haïtien qui est très talentueux, un monde qui est très respectable, un monde qui est un jeune haïtien qui a plus de talent dans le milieu musical haïtien. Nous venons que nous pas un journaliste pour nous dire ok nous allons confirmer mais ça passe mais ça passe mais nous venons là nous venons faire un petit débat d'après toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux nous venons faire un petit parler très court pour nous dire mais qui ça nous pensait mais qui ça nous pensait mais qui ça t'es le fait mais comment ça t'est si industrie haïtienne t'es un bagage qui t'es respectueux un bagage qui t'a bien marché mais comment ça t'a lui et ça t'es qui doit pas arriver là même que nous connaissons la mort pas de klaxon certes mais quelque bagarre nous cap prévenir t'es capable de prévenir d'une autre façon tragédie ça t'es capable pas de passer j'en dis passé là nous allons parler où dans mon tour de vidéo côté les micros une fake à monter c'était là. Senti qui au fond mes cabines pas bien c'était un docteur ou bien un médecin un secouriste qui était là qui vous t'a regardé qui t'a dit que on ne va bien qui vous t'a présenté si on passe côté conseil tout le monde ça va toujours sous pression même qui sentait ou pas bon depuis ces artistes là va toujours qui faut ou elle fait job là faut qu'on satisfaire nous. Mais si vous êtes accompagné au médecin, les dégâts disent, ah, tu n'as pas bon, si vous jouez à ce soir, nous ne faisons pas qu'à faire. Et malheureusement, nous n'avons pas de jeunes, c'est les maladies à finir, qui viennent là. C'est les ça, c'est qu'on venir pour lui. Mais malheureusement, malheureusement, c'est que tu nous perdons Mika. Nous perdons Mika. Tout à fait. Peuple haïtien, même si pas de monde nous connaît, pas de monde qui est parfait, nous n'avons pas toujours de désir, mais nous connaissons que nous avons un peu de l'amour pour lui. Nous ne pouvons pas souhaiter qu'il soit arrivé là. Un jeune garçon comme ça, allez, non, pas de monde qui t'a souhaité ça. Ça, son coup, ça, c'est peuple haïtien, même si tout le monde était fait, faites comme nous, quand même, parce que c'est un monde qui travaille longtemps. Nous voyons que Mika Ben grandit, même si nous ne sommes pas dans la génération Mika Ben, mais les mêmes grandis, nous regardons les vidéos de vidéo Mika Ben, les mêmes grandis. Ça a causé comme si on me quittait dans la génération, et comme si moi grandis, je me grandis, je m'attendais Mika. Je grandis, je vois Mika sur scène. Je grandis, je m'attendais, je garde des belles musiques Mika Ben. C'est tout pays qui frappe. Non, des ans, perdu des gros producteurs, garçons. Nous perdons Jovenel, nous perdons Mika Ben. Qui est-ce encore? Là, je parle des instructeurs haïtiens. Imaginons si nous t'y investi dans ça, avant l'artiste là, mon dessin, nous checker tension, nous checker tout bagarre, nous checker cœur, est-ce qu'elle est normal? Niveau de stress, est-ce qu'elle est normal pour mon dessin? Nous devons chaque concert, chaque. Les artistes qui ont pas joué, nous avons des gens qui ont vu sur comme ça, nous avons investi dans ça. Je pense que c'est quelque malin qui nous a évité, qui peut être arrivé, qui est capable de jouer de l'autre façon. Mais ce n'est pas la façon ça. Et moi, c'est ça que je suis capable de dire, je souhaite à toute famille qui vient. Condoléances, force, courage. Parce que la mort, son passage obligé. Pas de monde qui t'a remis dans la situation, ça. Mais le moment ça arrive, ou pas capable de faire back, ou pas capable de dire rien. C'est juste vision. Celle ça m'a demandé nous. Force, papa Mika, frère Mika, petite Mika, madame Mika. C'est une force, c'est une condoléance. Et Mika, bien, c'est de reposer en paix, c'est pas ça que t'as souhaité.
Mais c'est la vie. Courage de fanatique, mais quand même. Parce que nous, on a pile artiste, ça fait mal. C'est pas même seulement artiste. Fanatique, tout. Bah, ça t'aime, courage, vous me dérapez une part de ça. Ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo. Mais, bah, ça va, c'est. Je suis obligé de faire des vidéos pour parler avec le peuple. Nous-mêmes, haïtiens, ou même dirigeants qui gouvernent, nous supposons investir dans le pays, nous. Investir dans les jeunes, nous. Pour protection pour pays, nous. Protection pour les jeunes, nous. À ces jeunes, au final. Tout le monde qui finit par dire au final. Pour une raison pour l'autre. Nous allons rendre ça bon. Merci à tout le monde qui a regardé la vidéo. Je vous remercie pour cliquer sur le like, pour cliquer sur le commentaire, pour souhaiter Mika, rest in peace, qu'il y aille en paix. Chut, man.